Chers abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus, chers agripreneurs, de vous servir dans cette énième vidéo où nous allons aborder la notion du Made in Cameroun. Made in Africa, Made in Congo, Made in Tchad, Made in Africa de façon générale. Comme vous dites, en fait, chers agripreneurs, nous devons promouvoir ce que nous produisons. Nous devons consommer local tout en exigeant la qualité. C'est tout à fait important chez les agripreneurs. En fait, dans cette vidéo, je voudrais interpeller les chefs d'État, les populations, tous ceux à leur niveau qui peuvent ou qui ont un pouvoir, que chacun puisse mettre la main afin que nous puissions promouvoir ce que nous produisons et que nous puissions consommer ce que nous produisons tout en exigeant la qualité. Dans la mesure où chez les agripreneurs, en fait, si chacun de nous a son niveau, ou bien si les structures étatiques ou les décideurs instaurent comme ça une journée nationale du Made in Cameroun, journée nationale du Made in Congo, journée nationale ou du Made in Africa. Je voudrais dire quoi par là? Je voudrais dire ceci. Prenons le cas peut-être du Cameroun. Si peut-être le président de la République instaure la journée nationale du Made in Cameroun, ça voudrait dire que lors de cette journée, on s'est rassuré de ne consommer que produits camerounais. Je suis sûr que ça va booster l'économie locale. On va parler d'une économie qui soit circulaire parce que ça va encourager ceux-là qui transforment, ceux-là qui produisent. Il y aura de la demande et eux aussi vont en bénéficier. La bourse sera intéressante. Ça va contribuer au développement, ça va permettre à ce que les emplois puissent être davantage engagés. Parce qu'en fait, en produisant local, on encourage l'économie locale, on encourage le développement, on encourage comme ça chez les agripreneurs les emplois et ça développe le pays. Maintenant, sachant en fait que les États, pour pouvoir mettre en place certaines choses, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que nous, en tant que personnes responsables des familles, responsables départementales, d'arrondissement, nous pouvons aussi à notre niveau petite échelle instaurer cette notion de journée de consommation locale dans la mesure où peut-être vous êtes chef de famille, dans votre maison, vous pouvez dire aujourd'hui, on ne consomme que Camerounais, on ne consomme que Ghanéens, on ne consomme que Congolais, que Ivoiriens, on ne consomme que Tchadiens. Ça voudrait dire que vous allez dire à votre femme, elle doit mettre à table ce qui est produit local. Vous pouvez dire cela dans votre arrondissement, vous pouvez dire cela dans votre département, dans votre région. Ça va propulser, ça va développer l'économie locale. Donc, chacun de nous peut promouvoir cela, parce qu'on va beau faire des discours, on va beau faire dire la promotion de l'économie ou de la consommation locale, mais si nous ne mettons pas en place des actions pour promouvoir cela, nous, à notre niveau, on ne pourra pas arriver à vraiment consommer local. Donc, je vous interpelle, vous qui regardez cette vidéo, chers agripreneurs, à mettre cela en pratique, au niveau de votre famille, à dire, ok, aujourd'hui, on ne consomme que Camerounais, cette semaine, on ne consomme que Camerounais. C'est un défi, c'est un challenge qui n'est pas évident, qui n'est pas facile. Mais je vous assure, si vous faites cela, vous allez voir l'impact que cela aura. Vous allez vous en rendre compte que ça va aussi pousser ceux-là qui font du Made in Cameroun, du Made in Congo, du Made in Tchad, Made in Côte d'Ivoire, Made in Africa à s'améliorer parce que de plus en plus, il y aura une demande, mais une demande qui sera exigeante parce qu'il va falloir qu'on puisse avoir la qualité du produit chez les agripreneurs. Donc, je tenais dans cette vidéo à passer ce message-là afin que chacun de nous plus où qu'il soit, où qu'il se trouve, à implémenter cela à son niveau. Et je pense que partant du bas niveau pour le haut niveau, on va arriver à impulser cela, on va arriver à promouvoir la consommation du Made in Cameroun, du Made in Africa, du Made local, mais tout en exigeant une qualité chez l'agripreneur. Je sais compter sur vous. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo afin que beaucoup d'agripreneurs, beaucoup d'Africains puissent avoir l'information et mettre cela en pratique afin que nous puissions ensemble promouvoir la consommation locale, promouvoir la consommation du Made in Africa, du Made in Cameroun chez agripreneurs. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agrofricanisme. C'était comme ça pour vous, le chantina agrofricain, comme toujours, pour vous servir dans cette énième vidéo. Je suis convaincu chez agripreneurs qu'ensemble, on y parviendra. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant. Bye bye.